Qui est là? Votre escorte. Quelle escorte? Commandant Duat? Oui, mais je n'ai jamais demandé d'escorte. Vous devez vous présenter à la conférence du président dans 10 minutes. Oui, c'est exact. Mais je vous dis que je n'ai jamais exigé... Et pourtant, j'ai des ordres formels, mon commandant. Je suis certain que tout est en règle. Qui est-ce? Disons que c'est un assassin. Votre assassin. Alors, messieurs, s'il vous plaît, il est grand temps de commencer notre conférence. Et vous savez combien le temps est précieux pour nous, n'est-ce pas? Si vous voulez bien prendre place, mes amis, asseyez-vous, je vous prie. Eh bien, avant tout, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à Helhami. Vous allez à la conférence du président? Je ne suis pas en retard, au moins. Je peux voir votre laissez-passer. Je sais qu'il y a beaucoup de différends entre nous. C'est peut-être notre dernière chance de les résoudre. Nos querelles sont manifestement observées par de nombreux ennemis de notre pays. Des ennemis qui n'attendent qu'une occasion pour nous attaquer. Il faut faire tout notre possible pour trouver une solution avant de quitter cette pièce. Et si vous refusez, vous laisserez passer votre dernière chance. Je dois tout de même dire, messieurs, que j'ai confiance en cette discussion. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un demande le commandant Watt au téléphone. Il semble que ce soit très important. Qui est le commandant Watt? C'est moi, et avec votre permission. Bien sûr. Je vous en prie. Surtout, songez à ce que je vous ai dit, chers amis. Et maintenant, il est temps de commencer. Vous avez le dossier? Oui. Par ici. Occupez-vous des autres. Dépêchez-vous. Sharon McCready. Comme Richard Barrett et Craig Sterling, elle possède des pouvoirs incroyables. À la suite d'un accident d'avion dans les montagnes du Tibet, nos amis ont été dotés de qualités physiques et mentales surnaturelles par les représentants d'une civilisation inconnue. Sharon McCready fait la démonstration de ses extraordinaires possibilités en restant longuement sous l'eau. Sharon et ses deux amis ont juré d'utiliser leurs facultés en se faisant les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous trois font partie de la célèbre agence internationale Nemesis. Hé,
Eh bien, je crois que nous en avons assez vu. Et l'ami n'a jamais passé pour être un pays tranquille, mais comme vous venez de le voir maintenant, il est véritablement au bord de l'anarchie. En fait, je crois que dans une semaine, tout au plus, la guerre civile éclatera. Aucune idée de celui qui peut être derrière l'attentat à la bombe? C'est manifestement quelqu'un qui ne veut pas d'un pays tranquille. Et l'ami est entouré de voisins, disons, agressifs. Et son sous-sol renferme beaucoup de cobalt. C'est exact, Craig. Je vois que vous disiez beaucoup. Je m'intéresse au cobalt. Oh, comme beaucoup d'autres. Je pense surtout aux gens qui s'occupent d'armes atomiques. Alors on va devoir aller là-bas? Oui. Mais il faudra vous méfier. Le gouvernement d'Elami est chancelant. Il peut s'effondrer demain matin, mais je tiens à vous affirmer que nous n'y tenons pas, parce que la paix internationale exige impérativement la tranquillité dans ce pays. Nous allons tous à Elami? Non, Richard seulement. Vous, vous accompagnerez Chiron, à Rome. Ah, oui, le bey. Très juste. Il y a 10 ans, une révolution populaire à Elami a déposé le bey et sa famille en les forçant à partir en exil. Ce doit être Chiron. C'est bien ce que vous vouliez, monsieur? Quoi? Mais, eh bien, oui, je pense, Sharon. Oui, oui. Bon, eh bien, où en étais-je? Votre travail, Richard, va consister à avertir le président actuel que le bey rentre chez lui. Nous savons que les partis politiques rivaux l'accepteront plutôt que de partager le pouvoir entre eux. Et il faut reconduire de force le bey au bercail. Oui, Craig, c'est notre seul espoir de ramener l'ordre là-bas. Par n'importe quel moyen, à ce que je vois. Mais le bey risque l'apoplexie en voyant Sharon. Il a 80 ans. Le bey, il est mort. Ça va, j'ai compris. Il a un héritier. Oui, vous le trouverez à cette adresse. Je ne crois pas que vous ayez des ennuis avec ce jeune homme. Il est toujours un peu à court d'argent à le racheter, si jamais cela s'avérait nécessaire. Ou utiliser tous les moyens qui sembleront bons pour le persuader. Eh bien, tout est parfaitement simple, je crois, mes amis. Vous devez juste vous rappeler qu'il faut absolument qu'il rentre le plus vite possible avant que son pays ne finisse en flammes. Eh bien, c'est tout. À vous de jouer. Au revoir, cher. Bonne chasse. Je me fais vieux, ma parole. Content de vous revoir, mes chers amis. Carlo, Caterina, Caterina, Carlo. Et toi, Allegro, passe quelque chose sur toi. Mes petites soirées sont très connues, mais sont toujours décentes. Regarde-la bien, elle va t'intéresser. Quand on a vu une femme, on les a toutes vues, voyons. Une dispute? Bonsoir, Saïd. J'espère que vous vous amusez. Oui, beaucoup. Bon, comme on vous paye, vous ne pouvez rien dire d'autre. Tu connais le bey. Il faut toujours qu'il plaisante. Non. Qui c'est ça? Qui est-ce? Vous ne connaissez donc pas vos invités? Non, pas celle-là. Tu viens? Sonia a raison. Inutile de s'intéresser à elle. Elle n'en vaut pas le coup. Rien ne le prouve. Sabotage. Attends, je reviens. Vous cherchez ceci? Vous lisez dans mes pensées. C'est loin d'être difficile. En ce moment, je pense à quoi alors? Sachez que je dirais non. Vous passez une soirée agréable? Fructueuse. Fructueuse? Je vous parle. Et je ne me rappelle pas vous avoir invité, Joliet. Sharon Macready. Mais je suis ravi de vous accueillir.
Quant à moi, je le suis... Le bet. Le bet d'Alami. Oh, vous êtes ridicule. Voudrez-vous rentrer au pays? Oh. Alors vous plaisantez, chère. Merci. Le bet est tombé dans un piège. Savez-vous ce qui se passe dans votre pays? Est-ce que je devrais? Il est au bord de la révolution. Laissez-les donc tous s'entretuer. El Rami ne représente plus rien pour moi. Attention, je vous conseille de vous écarter de ma route, Jolly Sharon. Sinon, vous pourriez le regretter. Il faut que je vous parle en privé tout de suite. Il y a beaucoup trop de bruit ici. Vous allez avoir des ennuis. J'ai trouvé justement que la soirée manquait d'animation. Ah. Allez, relève-toi, plein de graisse. Quel brillant garde du corps. Qu'espérez-vous trouver au juste, Monsieur Barrett? J'aimerais le savoir. La bombe a été apportée dans une valise. Elle a été placée ici par celui qui a tué le commandant Tuat. Et personne n'a vu l'assassin? Oh oui, ils l'ont tous vu. C'était un homme en uniforme. Mais qui peut se rappeler le visage d'un soldat? Monsieur Barrett, nous sommes très reconnaissants à vos amis. Mais ils n'arriveront pas à convaincre le bey de revenir ici. Mes amis savent se montrer très persuasifs. Comment comptent-ils le faire entrer dans le pays? Par avion. Alors, je ne vois pas du tout comment ils feront. Nos ennemis seront les en empêcher. Ils sont... Ils ont de très gros moyens et une organisation parfaite. J'ai peur que vos plans soient difficiles à exécuter, Monsieur Barrett. De gros intérêts sont en jeu. Nos ennemis s'efforceront de briser tous ceux qui voudront faire régner la paix dans notre pays. Notre plan consiste à le conduire ici par une route, disons, plutôt surprenante. Nous avons décidé de le faire repartir de Paris pour Rome, puis de Rome il ira à Madrid, et de Madrid ici. Même vos ennemis n'auraient jamais songé à ça. Oh, un court-circuit! Nous savons tout ce que nous voulions savoir. Je désirerais téléphoner à Rome, s'il vous plaît. Nous vous offrons 50 000 livres, vous entendez? J'ai bien dit 50 000. C'est hors de question. Mais vous avez besoin d'argent. Non, pour l'instant, j'en ai assez. Je vois. Je croyais que tout le monde était parti. Saïd est mon invité. Et payant, sans doute. Allô? Pour vous. Je le prends dans ma chambre. Non, ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Macready s'en allait. Alors, Saïd à l'appareil. Vous êtes sûr de ne pas changer d'avis? Non, le peuple de ce pays a exilé ma famille. Mais voyons, c'est votre peuple. Je veux vivre, Mademoiselle Macready. Bonne nuit. Je suis certain que c'est ce que vous avez entendu. Mais c'est très important, voyons, j'ai enquêté. Ils ont pris des places dans le vol 198. Mais c'est impossible, je vous assure. Le bey est avec moi à cet instant. Une seconde. Votre Altesse! Votre Altesse!
Alors, tu viens jouer ce coup ou non? Prends ton argent tout de suite, tu l'auras tout à l'heure. T'as pris combien de cartes? 3 belles. D'accord, je vois. 3-8. T'entends quelque chose? Écoute. À part le vent, j'avoue que j'entends rien. Tais-toi un peu! Après avoir entendu un bruit pareil pendant 2 jours, on finit par entendre n'importe quoi. À la ferme! Tu dis que c'est un avion? Alors sûrement pas, on peut pas voler par ce temps-là! Si, écoute! On va y arriver dans une seconde. Ça y est, je le vois! Le terrain devrait se trouver un peu sur la droite. Je ne sais pas s'il est entretenu. Vous avez perdu la tête, ma parole! On ne voit rien du tout par ce temps. Est-ce que nous sommes encore loin? À moins d'une minute. Il faut se préparer. Je crois que la piste se trouve juste devant nous. Attention, je commence à descendre. Il faut brancher la radio. Faites-vous guider, voyons. Vous avez les instruments nécessaires. C'est impossible, Votre Altesse. La radio restera muette. Je ne veux pas qu'on puisse nous localiser. Il approche. Personne ne peut se poser. C'est de la folie. Remontez. Remontez, vous ne vous rendez pas compte. Allons, appelez-les. Sharon, tu devrais t'occuper de notre invalide. Oh non. Oh non. Plus de piqûres surtout. Alors tenez-vous tranquille. C'est pour quoi faire? Voyons, Votre Altesse, vous ne voulez pas que dans votre état, on vous laisse marcher dans une telle tempête? Qu'on n'entend plus. Le pauvre gars. Oh, il a peut-être réussi à se poser finalement. Hé, regarde! Vous êtes le poste 280? Bon, est-ce qu'on peut entrer? Je crois qu'il sera plus facile de s'entendre. Enlève tes affaires, tu veux? Ah là, voilà. Oui, on s'est un peu écarté de notre route. Notre radio est tombée en panne. Je peux? Oui, oui, allez-y. Ah, merci. Et on fait actuellement route vers l'hôpital général de Toula. Je n'y comprends rien. Comment avez-vous atterri? Avec de la chance, je suppose. Oui, elle a raison. Avec beaucoup de chance et un excellent altimètre. On va repartir rapidement, car il faut conduire ce pauvre gars à cet hôpital. Comment repartir? Mais vous n'arriverez jamais à décoller. Pourquoi? On a bien atterri. Si vous voulez être assez gentil pour nous donner un calmant. Bah, écoutez, j'ignore comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais ceci est un terrain appartenant à la compagnie Brûlère. Je commande le poste. Et voici mon radio, Monsieur Branco. Veuillez jeter un coup d'œil. Vous voulez peut-être le vérifier? Non. Bon. Si vous voulez être assez aimable pour nous faire le plein, l'avion se trouve sur votre droite en sortant, pas très loin. Eh bien, on ne vous attendait pas, vous savez, personne... Oh, mais ça ne m'étonne pas, nous nous sommes égarés. Et où vous dirigez-vous? Pourquoi posez-vous toutes ces questions, voyons? Mais... Ah.
Oui, je vous l'ai déjà dit, nous allons à Tula. Oui, venez voir. Nous allons à l'hôpital de Tula. Tenez, nous sommes bien ici, n'est-ce pas? Et voilà l'hôpital. Vous allez survoler le désert? Oui, c'est direct. Et passer par El Alamy, peut-être? Oui, oui, c'est ça. Mais vous ignorez que les frontières sont fermées depuis quelques jours. Ils sont au bord de la guerre civile dans ce pays. Vous allez rencontrer des milliers de bédouins, de bandits de tout genre, entre ce poste et tout là. Non, pas là-haut, voyons. Que voulez-vous qu'on risque? Mais notre compagnie ne veut aucun ennui avec les autorités arabes. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Entendu, après tout, comme vous voudrez. Vous feriez bien de rester ici à l'abri, pendant que Branco et moi nous faisons le plein de votre avion. Ah, je vous remercie. Nous allons faire comme chez nous dans ce cas, d'accord? D'accord. Tu viens, Branco? J'ai l'impression que Branco a reconnu le bai. Pourquoi crois-tu que je les ai envoyés faire le plein? On va emprunter leur voiture. Dépêchons-nous. Alors tu viens, Branco? Cet homme. Oh, ils ont abîmé la radio. Tu peux en réparer? Ouais, je vais réparer ça. Et ensuite, j'appellerai des amis qui seront largement me récompensés d'avoir reconnu cet homme. Par nous avoir. Je voudrais boire. Je crois que notre invité est loin d'être bien, Sharon. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Saïd et ses amis sont bien organisés, ne me laisseront jamais rentrer dans mon pays. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, bien sûr. Au premier trouble grave à El Alamy, ils prendront le pouvoir. Et ça ne vous fait rien? Bien sûr que non. Saïd me donne plus d'argent qu'il ne m'en faut. Pensez un peu à votre peuple. Qu'il s'extermine lui-même. Si c'est pour entendre ces idioties, je crois que tu n'aurais jamais dû lui enlever son baillon, Sharon. Mais pourquoi n'avons-nous aucune nouvelle? Pourquoi ne nous disent-ils pas où ils sont? Ils risqueraient d'avertir nos ennemis. Oui, oui, bien sûr. Et puis ils doivent maintenant savoir que le bai n'était pas dans l'avion. Et avec tous leurs amis qui hantent la région, Craig aura déjà suffisamment d'ennuis sans que nous en ajoutions. Écoutez, il faut qu'ils conduisent le bai jusqu'à nous. Rien entendu? C'est étrange. C'est peut-être un vague pressentiment. Un ennemi? Bien sûr.
Peut-être qu'on devrait continuer. Où ça, à travers les rochers? Il faut faire demi-tour pour contourner tout ça. Ils sont là autour de nous. Il y en a au moins trois, quatre peut-être. Ils doivent vouloir nous prendre notre ami. Le téléphone arabe fonctionne certainement aussi dans le désert. Tu as entendu? Je suppose qu'ils se préparent à l'attaque. Laissez-moi, allez-vous-en tous les deux. Aucune trace de ces hommes. Ils sont partis se cacher, ils savent très bien qu'ils auront d'autres occasions. Tiens, regarde sa blessure. Diagnostic? Il en réchappera. C'est vous qui avez tiré. C'est vous, n'est-ce pas? Et les hommes là-haut, c'était des spectateurs, sans doute. Ce sont mes amis. Garde ton souffle, Sharon. Debout, il faut retourner à la voiture. Debout! Laissez-moi vous soigner ça. C'est lui qui a tiré sur moi. Non, erreur, Votre Altesse. Ce sont vos sujets qui vous ont tiré dessus. Seulement parce qu'il était là. Ils étaient venus m'aider. Ils étaient venus pour vous tuer. Vous avez toujours l'intention de me conduire? Nous allons essayer. La route est plus longue que vous ne le croyez. Et Saïd n'est pas un homme à renoncer. Votre Altesse, si vous continuez, je vais regretter que vos sujets soient de mauvais tireurs. Il est encore évanoui. Il faut qu'on s'arrête et qu'il se repose, Craig. On ne devrait pas tarder, d'après ce que je vois. On a même droit à une escorte. Espérons qu'ils sont hospitaliers. Tu sais ce qu'on dit? On ne va pas tarder à le savoir. La paix d'Allah soit avec vous. Et avec vous. Il faut le soigner. Oh,
Allez, maître, allez. Vous venir de Toula? Oui. Vous allez vers le soleil? Oui. Il... Vous, bienvenue. Merci. Je vais surveiller mon ami. Oui, allez. Soignez bien, ami. Merci. Comment va-t-il? État stationnaire, mais il faut absolument qu'il reçoive des soins. De l'or. De l'or. Il a plus de courage que nous l'avons cru, tu sais. Dis donc, quelle est cette tribu? Ça, je l'ignore. Il parle un dialecte que je n'ai jamais entendu de ma vie. Mais je les écoutais il y a un petit instant. Et j'ai noté des sons qu'ils utilisaient plus souvent que d'autres. Fais voir ça. Il y a des variations quand ils emploient le pluriel. Par exemple, pour un homme et des hommes. Et ça doit être le verbe être ou le verbe avoir. Si on peut les écouter suffisamment longtemps, on doit être capable de les comprendre. Et cela pourrait s'avérer utile. Où sommes-nous? Dans un campement arabe. À El Hami? Non, nous n'y sommes pas encore. Vous êtes étrange tout de même. Vous croyez toujours qu'il a essayé de vous tuer? Non. Saïd et ses amis ne doivent plus être très loin maintenant. Oui, je présume qu'il a déjà été averti. On verra bien, on a eu de la chance jusqu'à présent. On passera la nuit ici. De toute façon, à cause de lui, on y est obligé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces hommes ne viennent pas de Toula. Ils parlent de celui qui est blessé, il s'agit de vous. Ils semblent parler d'un messager. Allongez-vous. Il est endormi. Vous pourriez le réveiller.
Pas question qu'ils aillent plus loin. Et explique-lui que je verserai ce que le chèque demandera. Je ne discuterai pas son prix. Je veux qu'il les abatte. Apparemment, ils ont atteint l'oasis des vieilles souricières. Ils ne seront pas loin de la frontière de la mime, par exemple. Et je pense qu'ils ne la verront qu'en rêve. Cette tribu va les tuer parce que je pense avoir fait une belle offre. Et ma version sera politiquement acceptable. Nous n'aurons rien à voir dans ce meurtre. Sharon? Sharon? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Des ennuis. J'ai l'impression qu'il faut nous tenir sur nos gardes. Au moindre signe de danger, tu pars de ton côté. On se retrouvera au nord du campement. On se sauvera à pied? Oui. On se fera moins remarquer qu'en voiture, crois-moi, Sharon. Ils savent qui vous êtes. Un homme de la tribu vient d'arriver. Saïd offre des présents et autant d'argent qu'ils voudront. Pour me ramener? Non, c'est pour vous tuer. Ah.
C'est bien là? Oui. C'est bien là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On patiente. Le taxi que vous avez demandé vous attend à l'extérieur. La nouvelle se répand à travers la ville, à travers le pays. Tout le monde se rallie à votre nom, Votre Altesse. Votre peuple sait combien il a besoin de vous. Il sait tout ce qu'il vous doit. Non, on ne me doit rien, Youssef. Si quelqu'un a une dette, c'est moi. Une dette, Votre Altesse? Je vais rester ici et faire tout ce que je peux pour régner. Youssef, vous devrez m'aider. Je pense que le peuple fêtera son retour, Monsieur le Président. Mais si la révolution dépend d'une seule personne, ou même du Bey, il vous faudra absolument rester sur vos gardes. Le Bey est un héros qui a bravement traversé le désert pour se joindre à nous. Il a passé malgré toutes les tribus sains et saufs. Il est l'homme envoyé par le destin pour nous guider. Sans doute, mais il y a encore des fanatiques comme Saïd en liberté. Ils commettront d'autres attentats sur votre personne. Vous ne devez courir aucun risque pendant quelque temps. Allons. Vous m'avez tous aidé plus que je ne le méritais, en fait. Je suis parmi mes amis, maintenant. Vos ministres attendent de vous être présentés, Votre Altesse. Merci encore. Merci pour tout ce que vous avez fait. Votre Altesse, vous devez avoir la protection des anges. Possible. Mais ils ne resteront pas ici jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que nous ferons maintenant, Youssef, nous devrons le faire seuls.